Elle aurait dit, comme d'autres ont dit, ce monsieur-là, maintenant, il ne faut pas l'écouter. Elle n'a pas fait ça. Quand on a demandé à Madame Chapuis, le monsieur-là, on écoute là. C'est comment? Madame Chapuis dit, mais comment? Je vais l'amener. C'est quelqu'un de bien. Il est bien pour notre camp. Il est bien pour notre camp, elle a dit. Et elle est venue me chercher. Elle m'a dit, monsieur, mais ça, on a besoin de toi. Elle n'a pas pris ça seule, non. Elle est venue, elle m'a appelé. Je suis parti. Et comme Dieu fait les choses, c'était le deuil de mon frère, j'en ai profité. Parce qu'il y avait un autre plan pour ça. Mais on en a profité pour tout faire au même moment. Donc il y a des opportunités comme ça dans la vie. Vous savez, la vie, c'est des opportunités. Et quand vous tombez sur une opportunité, il faut en profiter. Mais de façon positive. Pas pour faire du mal aux autres. C'est pour ça que vous aurez remarqué ou vous allez remarquer que des petites choses de Facebook, ça me prend plus. Non, ça m'intéresse plus beaucoup. Parce que quand des grandes personnes qui sont plus grandes que vous, vous disent, vous n'avez rien à prouver. Parce que les personnes qui vous demandent même à prouver sont vides comme les vidéos. Vous voulez faire quoi? Les personnes qui vous interpellent à dire que monsieur, mais ça, vide comme la vidéo. Tu veux faire quoi avec ces personnes? Oublie. Oublie. Donc, je voudrais dire, il y a des opportunités dans la vie. Et le Cameroun, le Camerounais, nous avons des opportunités pour 2025. Facebook peut aider beaucoup d'entre nous. Je dis bien, la toile ou alors les réseaux sociaux, mais de façon positive, peuvent aider beaucoup d'entre nous. Et Dieu merci, je suis entouré des personnes qui sont intellectuellement posé déjà. Et savamment sage aussi. Donc, on va y arriver. On va seulement y arriver. Les petits combats là, on n'est plus dedans. Mais Madame Chapuis, pardon. Comme tu me dis là, moi-même je te le dis ici, laisse les petits combats. Laisse les petits combats. Est-ce que moi je dois te rappeler où est-ce qu'on a besoin de toi? Toi, tu sais où on a besoin de toi? Donc c'est là-bas qui est important. C'est-à-dire, depuis Nadège Bappa, Reine Biaï, Catherine Chou, Monica, Black Beauty, Ducamer, toutes ces personnes. À un moment donné de ma vie où je n'attendais pas leur aide, c'est pas parce que je n'en avais pas besoin. La preuve, quand elles sont arrivées, elles ont fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire, elles ont dégagé. C'est-à-dire, elles ont bousculé les choses. Quand vous avez eu ça dans votre vie, vous devez être reconnaissant. Et qu'aujourd'hui, tout ce monde qu'on voulait faire retourner contre vous, ce monde progressivement revient sans effort. Merci, Georgette Passot. Que tout ce monde revienne sans effort. Et vous dites que, monsieur, on n'avait peut-être pas l'occasion de vous le dire, mais vous étiez entouré de mauvaises personnes. Comment est-ce que demain, on pourra se retourner contre ces personnes? Et c'est la solidarité de l'Ouest qu'on essaye tous d'adopter aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont de positif. Copions ça. Ne faisons pas la solidarité pour nuire. Faisons la solidarité pour faire des choses positives. Regardez la solidarité qui a veillé, qui a régné lors des obsèques de mon frère, lors de la veillée. Ça, c'est la solidarité positive. Il y avait tout le monde. Du showbiz au... C'est-à-dire, il y avait de tout. Pourtant, ce n'est pas des gens que je rencontre tous les jours. C'était là. Ils étaient là. Et chacun a mis du sien. Et je vous dis que toutes les personnes qui sont venues, parce qu'il y a des cancres ici qui n'aiment pas entendre ça.
Toutes les personnes qui sont venues à Mondel ont cotisé. Personne n'est venu pour boire gratuitement. Ils ont tous cotisé, et bien. C'est-à-dire, et bien. Les femmes comme Mme Chapuis, je n'en parle même pas. Parce qu'elle n'a pas cotisé, elle a viré directement sur le compte. Elle a viré tellement. Personne n'est venu pour rien. Tout le monde, même les petites jeunes filles comme les Catherine Chou, les Monica, les Black Beauty, les RMBI, ces femmes qui sont venues travailler même, Patricia de Toulouse, qui sont venues travailler, elles ont cotisé. Jeanne Marceline. Depuis que je suis avec ces gens, je ne sais plus que je souffre. Envoie-moi l'argent. Je ne connais plus ce mot-là. C'est-à-dire ma famille de Facebook, là, les petites filles que je vous cite, là, les rêves, là, les Catherine Chou, là, Monica, toutes ces personnes, je ne connais plus lire dans mon téléphone que je n'ai pas mangé, envoie-moi l'argent. L'Indolo Moulema, je ne connais plus ça. Quand je vois le message de quelqu'un, c'est pour prendre de mes nouvelles. Quand je vois le message de quelqu'un, c'est pour me demander les enfants vont comment. Mais les histoires que envoie-moi, je ne connais plus ça. Je ne connais plus ça. Comment tu ne peux pas être content de ce genre de personnes? Comment est-ce que tu peux ne pas... C'est-à-dire je suis très à l'aise. Quand je me réveille, je trouve un message de rêve. Je sais que c'est un message pour me demander que grand frère, tu as dormi, ça fait un moment. On ne s'est pas eu au téléphone. Comment vont les enfants? Ou bien Catherine Chou? Marthe Pondy, exactement, elle était là. Ben, on me l'a présenté, on m'a parlé d'elle, elle était déjà partie. J'aurais bien voulu discuter avec elle parce que physiquement, je ne l'ai pas reconnue. En fait, je ne connais pas. Donc, toutes ces personnes-là, comment est-ce que demain, on va se retourner pour dire que... Et je vais enchaîner dans cette solidarité pour dire aux écrans. Ça va énerver. Mais ce n'est pas parce que je suis de l'autre côté que je ne vais pas dire les choses comme elles sont. Avant même d'aller là-bas, je dois d'abord remercier ma famille. Parce que la nouvelle famille dont je parle là, elle s'est juste ajoutée. Hein. Vous connaissez mes lieutenants, non? Sur la toile. Vous les connaissez? Qui ont toujours été là. Dans le combat haut, dans le non-combat haut, dans les partout haut, dans les non-partout haut, dans les mariages haut, dans les non-mariages haut. Ils ont toujours été là. On leur a donné tous les noms. Ils ont dit que nous, on est là. Banco, banco. Nous, on est là. Vous allez dire ce que vous voulez, nous sommes là. Donc, je vais déjà remercier ces personnes. C'est-à-dire parce que quand quelqu'un t'aime dans la vie pour rien, et tu ne sais pas le lui dire, c'est un péché. Chaque fois que tu as l'occasion de parler, dis merci à ces personnes qui t'aiment. Je ne parle pas des fanants et des followers sur la toile. Ça, c'est, je vous le dis tous les jours. Mais je vais parler de cette famille-là qui prend des coups, des fois, gratuitement. Qui prend des noms d'oiseaux, gratuitement. Juste parce qu'elles ont dit que, vous là, vous racontez des conneries. Je vais commencer par la grande, l'aînée de cette famille. Celle-là qui a les cheveux de feu. Vous la connaissez, non? Les cheveux de feu. Dieu a dit d'écouter les femmes. Même quand c'est une femme qui nous a rapporté tous ces cancres qu'on a aujourd'hui dans la vie. Parce que ces cancres viennent d'une femme. Mais Dieu nous a dit d'écouter la femme. La femme qu'on appelle Pavlik Patricia. Si j'avais écouté cette femme. Je ne dis pas que c'est la star. Hein, parce que la locomotive, c'est moi. C'est moi qui suis toujours à l'origine du oui ou du non. Si je l'avais écouté,
Je crois que j'aurais évité beaucoup de cancres dans la vie. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et je continue à bénir Dieu et à apprécier la présence de cette BIC, la BIC Pavlik Patricia, qui est à nos côtés, qui veille, qui nous dit des choses. Des fois, on ne comprend pas, mais qui dit. Parce qu'elle, jamais n'a failli à son devoir. Elle parle. Après, elle me dit, tu es libre d'écouter ce que je te dis, mais je dois parler. Elle le dit. On se fâche même. Mais, elle dit, mon petit frère, je t'ai dit. Mais comme moi, c'est le plus gros défaut que j'ai dans ma vie. Quand j'aime quelqu'un, ou quand j'ai accepté quelqu'un, je vais te couvrir jusqu'à ce que toi-même, tu vas te retourner contre moi. C'est-à-dire, tant que tu n'étais pas retourné contre moi, ça va être difficile que j'écoute ce qu'on me dit. Je suis comme ça. Tant que moi-même, de mes yeux, je n'ai pas vu, le rapport des gens, très souvent, m'importe peu, quoi. Je n'écoute pas. Même ma propre femme dans la maison. Des fois, je dis, ok, on va voir. Mais quand mon cœur est avec une personne, non, je vais te couvrir jusqu'à ce que toi-même, tu vas te découvrir. Et je vais dire, ah bon, c'est comme ça. Donc, si j'avais écouté cette femme, j'aurais évité beaucoup de choses. Mais, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, le cocon, là, que vous connaissez, là, la Big Pavlik Patricia, mon autre femme de Bangandé, qui a trop d'arguments, là. Quand vous la voyez, vous voyez du Bana en elle, vous voyez du Bangandé en elle, vous voyez de... Quoi encore? Non, Bana et Bangandé. Et Bamoun, pardon, voilà. Bana. Bana, Bangandé et Bamoun. Qui est la Flore Chaps. Celles qui sont là jusqu'à... Elles ont dit, on va seulement mourir. Même quand, à l'époque, il n'y a pas beaucoup qui ne croyaient pas à cette histoire de tribalisme et tout, elles étaient là. Et tout bizarrement, elles étaient que les Bangandé. Les Bangandé, là, ont quelque chose avec les Bassa. Faudrait qu'on voit ça très bien, bien, là, parce que... Je crois que c'est les Bassa de l'Ouest. Parce qu'on nous appelle les Bafans de l'Ouest, mais je crois qu'ils se sont trompés. Parce que les Bangandé, on les appelle les Douala de l'Ouest. Mais je crois qu'il faudrait changer ça. Donc ces femmes qui ont toujours été là, Patricia, Flore Chaps, l'autre Bangandé, Patricia de Toulouse, celle qui m'a fait cette surprise à la veille de mon frère, de faire venir ce groupe qui a surlivé une Bangandé, je crois de Ntonga. Je crois qu'elle est de Ntonga, si je me trompe. Je ne sais pas si elle est dans le live. Toujours les Bangandé autour de moi. Les ce que vous connaissez, là, ça c'est la bande très fermée. Que vous connaissez, Patricia de Toulouse. Est-ce que je dois encore vous citer la plus populaire, le restaurant, le chalet? Est-ce que je dois vous citer? Vous savez qu'elle est là? Ça, c'est la garde rapprochée. Est-ce que je dois vous parler de Régine? Vous connaissez? La fashionista. La fashionista. Toute la nourriture que vous avez mangée à Paris là, lors de la veillée. Elle a gracieusement ouvert sa maison pendant plus d'une semaine, puisque la star est partie une semaine avant, pour faire tout ce qu'elle avait à faire. Est-ce que je dois... Ça, c'est la garde rapprochée. Vous les connaissez? J'ai oublié qui? Dans la garde rapprochée. Ça, c'est la garde rapprochée. Maintenant, je prends alors la famille qui est venue se mettre. Comment? Mais je suis invincible. C'est fini. On va encore faire comment? On va faire comment encore pour me déraciner? Parce qu'il y a des Sonja qui sont sortis de nulle part là. Qui ont à un moment donné de leur vie ont eu 1 000, 2 000, 3 000 personnes à les écouter et à dire, je vais faire partir ce monsieur. Toi, tu n'es même pas encore assise. Tu es debout. Vide comme la vidéo.